Vladimir Poutine, Joe Biden, diamétralement opposés sur la guerre en Ukraine. Les deux présidents ont prononcé des discours percutants ce mardi à Moscou et Varsovie. Le président russe refusant d'endosser la responsabilité de la guerre en Ukraine, son homologue américain affichant son soutien à Kiev. Le discours de Vladimir Poutine a été, comme à son habitude, très virulent à l'égard d'un Occident jugé décadent et responsable, selon lui, du désastre ukrainien. Западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Vladimir Poutine a ensuite annoncé suspendre la participation de la Russie au traité New START, accord bilatéral signé avec Washington sur le désarmement nucléaire. Joe Biden, pour sa part, a déclaré que la Russie ne gagnerait jamais la guerre en Ukraine, assurant Kiev et ses alliés du soutien américain. Autocrats only understand one word. No, no, no. No, you will not take my country. No, you will not take my freedom. No, you will not take my future. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Avant son retour à Washington, Joe Biden doit rencontrer les dirigeants des pays d'Europe centrale et de l'Est, membres de l'OTAN, qui se sentent menacés par la Russie. La police affirme que 200 000 personnes ont participé, 91 000 à l'intérieur du plus grand stade de football de Russie et 110 000 à l'extérieur. Et cela bien qu'il y ait des preuves que certains ont été recrutés pour être là. Le message du président Poutine était similaire à son discours un jour plus tôt. Il a salué l'importance de protéger la famille et la Russie en tant que nation et a dit qu'il croyait que le pays était uni quand il s'agissait de soutenir l'armée. Ils combattent de façon héroïque avec courage et bravoure, nous sommes fiers d'eux et en leur honneur prononçons trois hurrahs, ils doivent entendre nos encouragements. Il a remercié l'armée pour combattre afin de recréer ce qu'il a décrit comme les frontières historiques de notre peuple, que le Kremlin présente comme passant par l'Ukraine. Et Poutine a terminé en disant que beaucoup de personnes présentes parmi le public pouvaient se considérer elles-mêmes comme des défenseurs de la patrie cette année, et pas uniquement ceux qui combattent. Les travailleurs médicaux, les employés de l'industrie de la défense et du secteur des transports, et les enfants qui écrivent des lettres de soutien aux soldats russes, tous qui ont aidé, dans ce sur quoi Moscou insiste, est un usage de la force à titre défensif. Il ne s'agissait pas d'un rassemblement pour soutenir l'opération militaire spéciale elle-même, mais la plupart des vacances nationales et des anniversaires depuis l'année dernière ont fait référence au combat en Ukraine et ont lié cela à l'identité nationale, aux valeurs et à l'histoire de la Russie. Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, le Kremlin devrait diffuser des exemples à grande échelle de ce qu'il qualifie de soutien public. Le monde impose des sanctions qui vont miner l'économie russe. Ensemble, совсем недавно мы говорили 2,9, я говорил чуть позднее 2,5. Валовый внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1%. Это самые свежие данные. При этом напомню, что еще в феврале-марте прошлого года, как я уже сказал, предрекали нам просто обвал экономики. Ce chiffre avancé par Vladimir Poutine, il est étonnamment vrai, Emmanuel. Selon Rostat, l'Institut statistique du Kremlin, le PIB russe s'est contracté de seulement 2,1% en 2022. Ce chiffre est confirmé d'ailleurs par le Fonds monétaire international qui avait annoncé moins 2,2% il y a quelques jours. L'économie russe a donc, semble-t-il, résisté aux sanctions infligées par les Occidentaux, eux qui prévoyaient une contraction du PIB russe de 8,5% en mars 2022. L'autre bon chiffre vanté par le Kremlin, c'est celui de l'inflation russe qui recule. 12% en janvier selon Rostat, c'est à peu près équivalent à l'Italie où les prix ont augmenté en janvier, regardez, de 10,1% par rapport à l'an dernier. Les 27 ont déjà préparé leur réponse à Vladimir Poutine avec un dixième paquet de sanctions qui devrait être révélé très vite avant le 24 février, qui est une date symbolique, bien sûr. C'est ce qu'a déclaré Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Il y a juste un petit détail à régler. Vous savez que ce paquet de sanctions doit être validé par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et il faut toujours convaincre Viktor Orban, qui a
a encore déclaré samedi dernier qu'il voulait maintenir des relations commerciales avec la Russie. Alors ces sanctions n'ont-elles aucun impact sur la Russie, comme l'a affirmé ce matin Vladimir Poutine? C'est faux, a déclaré Josep Borrell, qui explique qu'il s'agit en fait d'un poison lent, mais avec des effets irréversibles. Mais ce qui inquiète vraiment les Européens aujourd'hui, c'est la question militaire. Vous savez, les Russes tirent actuellement 50 000 obus par jour, c'est l'équivalent de la production mensuelle européenne. Alors comment produire davantage pour aider davantage l'Ukraine? Eh bien, l'Estonie a une petite idée, elle a suggéré de procéder à des achats communs de munitions, un petit peu comme on l'a fait pour les vaccins, ce qui devrait pousser l'industrie militaire européenne à produire plus de munitions. Et l'idée sera d'ailleurs sur la table de la réunion de l'OTAN qui commence en ce moment même. C'est au palais présidentiel de Varsovie que le chef de l'exécutif américain est venu rencontrer les dirigeants des neuf de Bucarest, un groupe d'alliés de l'OTAN du flanc oriental. Objectif, les rassurer et réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis envers la sécurité de l'Alliance Atlantique. Interrogé à propos du retrait du Kremlin du traité New Start, le président Biden a d'abord plaisanté en disant qu'il n'avait pas le temps. Puis, après une brève pause, il a dit « grave erreur ». Les deux chambres du Parlement russe ont acté cette suspension aujourd'hui, au lendemain de l'annonce du président russe Vladimir Poutine, laquelle est vivement critiquée par les puissances occidentales. Le maître du Kremlin a lui pris part à un grand concert patriotique aujourd'hui au stade Loujniki à Moscou, en soutien à la guerre menée par la Russie depuis un an en Ukraine. Aujourd'hui, la hiérarchie militaire m'a dit que des combats étaient en cours au sein de nos terres historiques pour notre peuple. Le président Poutine tente dans le même temps de renforcer les liens avec la Chine, dont le chef de la diplomatie, Wang Yi, effectuait une visite à Moscou. Et ce, après les inquiétudes exprimées par les États-Unis et l'OTAN quant au fait que les Chinois se préparaient à fournir à la Russie des armes pour poursuivre son offensive en Ukraine, ce qu'ils ont démenti. À Varsovie, Joe Biden déclare que les pays du flanc oriental de l'OTAN demeurent la ligne de front de la défense collective. Pour le patron de l'OTAN, il faut briser le cycle de l'agression russe. Nous devons donc maintenir et intensifier notre soutien à l'Ukraine. Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour l'emporter. Vous avez été puni hier. Vous avez été forcé d'écouter les discours solennels de deux chefs d'État, Vladimir Poutine, Joe Biden. Oui, ce concours d'éloquence planétaire, eh bien, c'était mardi gras pour les chaînes info. Vraiment, mais en même temps, cette guerre tue tous les jours et beaucoup. Si Biden a surpris, c'est qu'il a lu ses prompteurs sans trébucher. Autrement, il a répété, le conflit est un combat pour la liberté. L'Europe et l'OTAN sont unies pour défendre la démocratie. Il n'a pas parlé du monde libre, ni de l'Empire du Mal, mais son discours renvoyait à la guerre froide. Sa machine à remonter le temps était installée au bon endroit, au palais royal de Varsovie, rasé pendant la guerre et reconstruit à l'identique 30 ans plus tard. La mise en scène de son intervention en plein air, face à la foule, mais derrière une vitre blindée quand même, ça évoquait le meilleur discours de John Kennedy, son fameux « Ich bin ein Berliner ». Joe Biden n'a pas dit aux Polonais « Nous sommes tous des Ukrainiens », mais il a juré « L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, jamais avis à Vladimir Poutine ». Première conclusion donc, ça va durer longtemps. 22 minutes de discours pour Joe Biden, ce fut plus long avec Vladimir Poutine à 2 heures pour son discours sur l'état de la nation russe. Oui, le tsar seul sur l'estrade immense, le discours qui n'en finit pas, la nomenklatura et les jeunes, sages comme des images, tout ça était très soviétique. Le décor change, mais pas le résultat. On singe aussi la guerre froide. Poutine n'a pas l'air malade, mais il se victimise. Il ne se repent pas d'une offensive qui devait durer 5 jours. Il ne dit rien de la situation du front, il ne donne aucun objectif précis à cette guerre qu'il persiste à appeler opération militaire spéciale. Il dit juste qu'elle est existentielle, la Russie est une civilisation et sa survie est en jeu. Le plus efficace du discours, c'est quand il dénonce
le pouvoir sans frontières de l'Amérique, les sanctions qui punissent ceux qui les ont mises en place et son réquisitoire contre la décadence morale de l'Occident. Son refrain préféré, il dénonce l'Église d'Angleterre qui veut corriger ses textes liturgiques en écriture inclusive, la destruction de la famille ou la pédophilie qui serait érigée en norme. Avec ça, il est sûr de séduire les sociétés traditionnelles, les sociétés qui sont attachées aux valeurs habituelles, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, et aussi dans les milieux conservateurs en Europe. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Vincent ? Deux choses. L'effort de guerre s'impose à tous, c'est-à-dire renforcement du complexe militaro-industriel, constitution d'une armée de réservistes, d'un fonds spécial pour les anciens combattants. Les Russes se préparent à une guerre de 30 ans. Le Kremlin a ordonné de mettre à jour les abris anti-bombes. Et puis, l'annonce coup de canon à la toute fin, la suspension du traité New Start, le dernier traité russo-américain sur le désarmement nucléaire, dont les faits il était gelé depuis 2 ans. Mais Poutine ne vient donc pas de relancer la course aux armements nucléaires. Mais c'est vrai que c'est décidément une très mauvaise semaine pour ceux qui s'inquiètent du risque nucléaire, après l'annonce que l'Iran enrichit l'uranium à 84% et les tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord. Bref, c'est vraiment un monde orwellien qu'ont chanté ces deux vieux messieurs avec la guerre perpétuelle, comme dans 1984. Oui, j'ajoute que les Polonais ont annoncé augmenter leur effort de défense à 4% de leur PIB. C'est quand même absolument colossal. Ça va les placer tout simplement en tête de l'effort budgétaire au sein de l'OTAN. Les Polonais sont les meilleurs des Ukrainiens. Le Danemark, l'Allemagne et la Suède affirment que leurs enquêtes sur les explosions de septembre sur les gazoducs Nord Stream ne sont pas encore terminées. Les trois pays ont fait un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion mardi. Cette réunion a été convoquée par la Russie, qui souhaite que les 15 membres du Conseil demandent une enquête indépendante. Les explosions sur les pipelines reliant la Russie et l'Allemagne ont provoqué des fuites de gaz dans la mer Baltique et aggravé la pénurie d'énergie en Europe. Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ont déclaré dans une lettre commune que leurs autorités avaient établi que les dégâts avaient été causés par, je cite, « de puissantes explosions dues à un sabotage ». La lettre dit aussi, je cite, « qu'il n'est pas possible de dire quand les enquêtes arriveront à une conclusion ». Moscou accuse l'Occident d'être responsable de ces explosions. Au début du mois, un journaliste américain chevronné a affirmé sur son blog que Washington était derrière les explosions. La Maison-Blanche a rejeté ces allégations. En Russie, le monde du sport est fragilisé par les sanctions internationales imposées depuis le début de la guerre en Ukraine. Les sportifs russes sont exclus des principales compétitions mondiales et les grands événements qui devaient se tenir dans le pays sont délocalisés, comme la finale de la Ligue des Champions, qui aurait dû avoir lieu à Saint-Pétersbourg en 2022. Год – это недостаточный срок для того, чтобы говорить о резких изменениях. Хотя, конечно, по отдельным видам спорта можно делать печальные выводы. Российский футбол стремительно деградирует. Но, по большому счету, мы еще далеки от полной деградации. Хотя, конечно, стремительное падение и зрелищности, и многих других вещей есть. Le football est la passion d'Ivan et d'Andrei. Ses enfants continuent de s'entraîner, mais ils sentent que les choses ont changé depuis un an. Скучно стало смотреть. Да, Лиги чемпионов нет, но по-другому. Не съездишь там никуда на матчи какие-то. Только РПЛ. Le Comité international olympique envisage d'autoriser les athlètes russes à participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous bannière neutre. Moscou s'y oppose, mais certains sportifs qui se préparent depuis des années sont prêts à accepter cette condition. Задача Запада сделать так, чтобы мы сами отказались от этих игр. Поэтому очень сложно сказать, но я думаю, что большинство спортсменов все-таки склоняются к тому, что они готовы поехать и под нейтральным статусом. Это понятно, они же отдают очень много сил на тренировках и тратят свое здоровье, и хотят доказать всему миру, что мы одни из лучших. Les sportifs russes vont devoir attendre la décision du Comité international olympique. L'Ukraine et certains pays s'opposent à leur participation, invoquant le risque d'actes de propagande du régime de Vladimir Poutine. C'est à l'ancien colonel des renseignements suisses que je m'adresse. Comment jugez-vous l'activité et la pertinence des services de renseignement occidentaux depuis le début de la guerre ? Merci pour votre question, parce que d'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire ce genre de réflexion. Je suis en contact avec beaucoup d'anciens des services de renseignement, de différents pays d'ailleurs, avec qui on a eu l'occasion de travailler par le passé.
Et on a tous la même constatation à propos du renseignement. On a constaté qu'il y a un changement dans l'usage du renseignement qu'en font les États occidentaux. Le renseignement, dans sa substance, il est là pour guider la décision. C'est pour ça qu'on a des services de renseignement. Le service de renseignement doit apporter normalement à un gouvernement une image la plus factuelle possible des choses. Débarrasser de ce qu'on peut trouver dans la presse, qui est souvent... naturellement, vous avez la presse qui est plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt ceci, plutôt cela, et qui donne chaque fois un éclairage différent des événements. Le renseignement doit normalement présenter les événements, débarrasser de toutes les interférences et rester sur les faits et analyser à partir des faits. Ça, c'est l'essence du renseignement. Et ce qu'on observe depuis le début du conflit en Ukraine, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être vu ces dernières années d'ailleurs, c'est peut-être pas exclusif, mais ça s'est exacerbé avec le conflit en Ukraine, c'est qu'on utilise le renseignement non pas pour éclairer la décision politique, mais pour valider un narratif. Des faits. Donc les services de renseignement se sont transformés en agences de com. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je pense qu'il faut peut-être nuancer le propos. J'imagine, parce que j'ai des contacts quand même avec certains services qui montrent que, à l'intérieur des services, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils observent, ils ont beaucoup d'informations. Je constate d'ailleurs que beaucoup de ce que j'écris dans mes livres correspondait avec l'analyse interne des services. Simplement, on a utilisé... on a des services de renseignement à deux vitesses, en quelque sorte. Il y a certainement une vitesse à l'intérieur où les gens réfléchissent, voient les événements, les analysent, et une deuxième vitesse qui est... Il nous faut valider un discours, donc on utilise la couverture des services de renseignement pour donner de la crédibilité à notre discours. Voilà. Donc il y a un volet com et un volet... plus factuel. Dans quelle mesure le volet factuel influe vraiment la décision politique? Ça, c'est pour moi un grand point d'interrogation, et pas seulement pour moi d'ailleurs, parce que je sais que les analyses que j'ai présentées dans mes livres, je les avais discutées auparavant, et je sais qu'elles étaient partagées par des services. Je le sais. Mais on voit que ce que pensaient ces services n'a pas transpiré ou ne s'est pas reflété dans la décision politique. Je crains que les politiciens d'aujourd'hui décident sans l'apport ou contournent l'apport des services de renseignement. La décision politique est l'objectif qu'on cherche à atteindre. D'ailleurs, c'est la question qui se pose maintenant, et on le voit maintenant, particulièrement chez les anglo-saxons. En Europe, et particulièrement en France et dans les pays francophones, j'inclus la Suisse là-dedans et la Belgique, il n'y a pas beaucoup de réflexions qui se font, par exemple, sur « mais qu'est-ce qu'on cherche à atteindre ?» Parce que c'est finalement un peu la question. Au tout début du conflit, Bruno Le Maire l'a dit très clairement, et c'était l'objectif, c'était l'effondrement de la Russie. Et cet effondrement, il n'est pas sorti de son imagination, il a été décrit par une stratégie américaine qui avait été établie en 2019, qui avait été écrite par un think tank du Pentagone, qui est la RAND Corporation. Titre typique de la RAND Corporation. Oui, exactement, mais c'est Extending Russia comme titre principal. Et l'idée, c'était de pousser la Russie dans le fossé, en quelque sorte. Ouais. Et donc, ça, c'était l'idée de base. Alors, on savait que c'était l'objectif. Mais ça devait se passer en quelques semaines, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on a une indication assez intéressante par Oleksiy Arestovitch, qui était le conseiller de Volodymyr Zelensky, et qui, en mars 2019, a fait une interview sur une chaîne ukrainienne, qui s'appelle Apostrophe, et dans lequel il explique pourquoi il va y avoir une guerre entre l'Ukraine et la Russie, et pourquoi il doit y avoir une guerre. Et c'est très intéressant de voir pourquoi il l'explique. Il dit même que ça va se passer en 2021-2022. Donc, on est dans quelque chose qui est
très calculé. Il y a un objectif assez précis qui est effectivement d'obtenir l'effondrement de la Russie pour une simple raison. Alexei Arestovitch l'explique très clairement. Il dit, en substance, tant qu'il y a une tension entre l'Ukraine et la Russie, l'OTAN n'acceptera jamais l'Ukraine. Donc, le calcul était le suivant, et c'est, de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Arestovitch. Il dit, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait il faut que l'Ukraine ne soit, la Russie, pardon, n'existe plus en quelque sorte. Oui. À partir du moment où il n'y a plus de Russie et donc qu'elle ne représente plus du tout un risque pour l'OTAN, à ce moment-là, l'Ukraine pourra faire partie de l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle il dit, il faut qu'il y ait une guerre avec la Russie. C'est assez impressionnant parce que la journaliste lui demande, mais est-ce que vous pensez vraiment que le prix pour tout ça doit être une guerre et que notre appartenance à l'OTAN doit faire... Et il dit, oui, il faut cette guerre. Donc c'est assez glaçant d'ailleurs d'entendre le calcul. Mais de nouveau, c'est un très proche collaborateur de Zelensky. Hein. Il a démissionné il y a juste quelques semaines quand il y a eu l'affaire du missile à Dnipro. Mais enfin bref, on ne va pas entrer dans les détails. Mais donc ça veut dire qu'il y avait un calcul à la base de l'effondrement de la Russie. Zelensky lui-même a dit qu'on l'avait trompé. Parce qu'on lui a promis, en fait, que la Russie s'effondrerait tout de suite, en quelques semaines. Et c'est vrai que c'est pour ça que vous avez eu ces sanctions massives qui ont été appliquées immédiatement, dans les premiers jours. Parce qu'on s'est dit, voilà, ça va faire effondrer la Russie. Et on a eu un embryon de ça avec la chute du rouble qui a duré même pas 24 heures. Néanmoins, c'était ça l'idée. Et on n'a pas prévu que les Russes réagiraient, que l'économie russe réagirait aussi bien, que le système financier russe réagirait aussi bien, et que même la société russe réagirait aussi bien. Et du coup, l'objectif d'effondrement de la Russie, on voit qu'il s'évanouit. Mais je vais maintenant, symétriquement, on peut dire aussi que le calcul qu'a fait Vladimir Poutine, lui aussi, a fait un calcul de l'effondrement du gouvernement ukrainien, les taux autour de Kiev, ce retrait... Pensant peut-être que la guerre serait rapide non. et que le... Je ne pense pas. Comment expliquez-vous cette tentative de prendre Kiev qui non, a échoué ? Je pense qu'il n'y a jamais eu de tentative de prendre Kiev. Pour la bonne simple raison que si vous regardez les effectifs qui ont été déployés à Kiev, c'était... Kiev qui est une ville importante. Oui. Vous y êtes allé, vous la connaissez aussi bien que moi. Enfin, mieux que moi sans doute. Bon, je ne la connais pas très bien. mais... non, mais j'ai quand même été quelques fois à Kiev, mais... ce que je veux dire, c'est une ville très grande. Or, les forces qui étaient déployées autour de Kiev étaient de moitié inférieures à celles qui ont été utilisées à Mariupol, qui est une ville considérablement plus petite. Or, on sait que pour prendre une ville, la ville est un aspirateur à troupes. Et je n'invente rien, tous les militaires le savent. À partir du moment où vous décidez de prendre une ville, si vous regardez la surface, vous devez multiplier vos effectifs par 10 parce que ça absorbe les effectifs. C'était lundi, avant-hier, Joe Biden qui était à Kiev pour marteler, intensifier son soutien à l'Ukraine. Est-ce qu'on assiste à un jeu dangereux, selon vous, Florian Philippot ? Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben non, mais là on parle de troisième guerre mondiale qui serait forcément nucléaire, puisqu'on a la Russie et les États-Unis dans le jeu. Donc oui, on parle d'un jeu très dangereux. Là, c'est une erreur monumentale selon vous ce qu'il a fait. Non mais Biden. Se déplacer là. Je sais pas si Biden sait très bien où il se déplace, quand il se déplace, où il est, à quel moment. Ça, je pense que Biden ça compte pas beaucoup, mais les gens autour de lui qui sont des faucons. Et parfois des vrais aussi. Mais ces gens-là ont un agenda. Il faut lire Le Grand Échiquier, je veux dire, 1997, je crois que c'est 97, hein. Brzezinski, de la fin du XXe siècle, qui explique très clairement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le jeu américain, qui a été gelé en fait par Trump pendant 4 ans, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de guerre d'ailleurs sous Trump, c'est tout simplement, il faut casser le bloc eurasiatique. Et notamment casser tout lien possible entre la Russie et des pays européens, et notamment l'Allemagne, la France, qui sont perçus comme problématiques s'ils arrivent à coopérer intelligemment, par exemple en matière d'énergie avec la Russie. Et donc il faut casser ça. L'Ukraine est une base avancée pour cela.
L'Ukraine est un pays sous contrôle depuis 2014, sous contrôle américain. Euromaïdan, tout ça, toute cette fantasmagorie qui est en fait un coup d'État. Et donc, ce qui se passe est prévu de longue date par les stratèges américains. Si on prend du champ historique de la profondeur et qu'on regarde ce qui se passe vraiment depuis une dizaine d'années dans la zone, et même avant, puisque l'OTAN s'est étendue aux États baltes, etc., à tous les pays de l'Est, contre les promesses de 1991 qui avaient été faites à l'époque à la Russie, quand elle a dissous son pacte de Varsovie à ce moment-là, alors, on ira tout le temps vers la guerre. Et le problème, c'est que là, maintenant, on joue avec des acteurs qui peuvent nous mener à une guerre mondiale. On n'est plus simplement sur la Serbie et le Kosovo, ou même la Libye, ou même l'Irak, dont on nous disait que c'était la quatrième armée du monde, souvenez-vous, en 91, ce qui était drôle. Non, là, on est sur des acteurs qui sont très grands acteurs mondiaux et nucléaires. Donc, il faut arrêter de rire, là. Il faut se remuer. Et la France pourrait jouer un rôle magnifique. Pourrait jouer et un rôle de paix. Elle ne le fait pas, selon vous ? Non. La France, il y avait une question posée dans votre reportage introductif. La France est-elle encore une nation indépendante en matière de politique étrangère ? Pas plus que dans les autres domaines. La France n'est pas une nation indépendante aujourd'hui. Un tout petit moment, la situation de la liberté d'expression en ce moment en France. Je ne sais pas si vous avez suivi ces menaces proférées par la ministre de la Culture à l'encontre de CNews dernièrement. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de la ministre de la Culture ? C'est 8 aussi, si je n'ai pas dit. Oui, mais bon, C8 est plutôt une chaîne de divertissement. Donc CNews, chaîne d'information, qui était donc dans le viseur, donc dans les fréquences, en tout cas, va être discutée l'année prochaine. On avait quand même un peu... Enfin, on n'a pas été nombreux, mais... Quand ils ont fermé RT et Sputnik... RT France, c'est ça. Ah oui, et puis RT dans toute l'Union européenne. Début mars 2022, quand Ursula est intervenue, là, comme la grande prêtresse qu'elle est, et puis elle a dit, hop, par un oukase, on ferme des médias. On a été quelques-uns à dire, vous savez, si on commence à accepter ça, il n'y a plus de limite. Ah ben moi, j'arrêterai déjà les sanctions. Sans pour autant entraver la croissance économique. Déjà, j'arrêterai les sanctions. La livraison d'armes. Tout ça. Oui, alors ça, c'est plutôt lié à la guerre. Mais pour ce qui est de l'inflation, j'arrêterai les sanctions. Parce qu'aller chercher du gaz américain 4 fois le prix, qui en plus est dégueulasse pour la planète, le gaz de schiste, etc., c'est délirant. Enfin, ça arrange bien les États-Unis, mais bon, c'est pas, ça n'est pas notre intérêt. Donc j'arrêterai les sanctions. Et puis surtout, bah, j'essaierai de reconstruire un appareil industriel français. Et pour ça, bah, désolé, hein, mais on ne peut pas le faire si on reste dans l'Union européenne et l'euro. C'est impossible. C'est totalement impossible. Il y a des pressions de concurrence déloyale étrangère tellement fortes et tellement voulues. Parce que pendant que Macron nous dit on va rapatrier l'industrie, relocaliser, Ursula, elle signe des traités de libre-échange. Parce que c'est elle qui a la compétence, c'est pas Macron. Hein. Et elle signe des traités avec le Chili. Là, ils sont en train de négocier avec l'Inde et avec l'Australie. Ah, ça va être du joli. Hein. L'Inde, premier pays mondial aujourd'hui en termes de population, hein, devant la Chine. Ça va être joli. Donc évidemment qu'on ne peut pas continuer dans ce système-là, on ne peut pas rivaliser. Regardez, je disais en venant ici, un article, la Chine vient d'inaugurer une usine de 500 000 ports dans une seule usine. C'est je ne sais pas combien, 50 étages sur des hectares, etc. 500 000 ports. Si on ne se protège pas, qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de l'agriculture française ? Mais rien, évidemment rien, il n'en reste déjà pas grand-chose. Voilà, et ça, ces questions-là, ce ne sont pas, il faut bien le comprendre, que des questions économiques. Ce sont des questions économiques, mais c'est fondamentalement, la France sans son agriculture n'est plus la France. Un automobiliste de 22 ans, contrôlé positif à la cocaïne, a été condamné ce lundi, donc lundi dernier, à 15 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Puy-en-Velay. Voilà, il avait été déjà condamné en avril 2022 à une peine avec sursis pour conduite sous l'emprise du cannabis. Là, c'était effectivement de la cocaïne, il a été testé positif, comparution à délai différé, prison préventive, et il est là, incarcéré, donc 15 mois de prison ferme depuis lundi dernier. Alors pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que il a été donc arrêté, jugé, et il est en prison. Et il n'a tué personne, il n'a pas eu d'accident, il n'est pas rentré dans la voiture de quelqu'un, il n'y a pas eu 3 blessés graves, un homme qui se trouve toujours en réanimation, son fils de 6 ans et une femme enceinte qui a perdu son bébé, le papa et son fils sont, vous le savez, dans une autre histoire, dans un état grave.
Pourquoi je ne veux pas en parler plus? Pourquoi je ne veux pas citer le nom de qui est sur toutes les lèvres et qui fait 24 heures sur 24 tous les médias depuis quelques jours? Pour une raison très simple, on a envie pour une fois, que la justice suive son cours, qu'on ne donne pas 400 millions d'alibis, de réclamations dans un sens ou dans l'autre, qu'on n'aggrave pas ça avec « oui, mais il y a la pédopornographie, oui, mais ceci, oui, mais cela ». Ce qui est terrifiant, c'est qu'on a envie vraiment, et on se demande, et on dirait que c'est un vœu pieux, ce que je dis, presque une espèce de naïveté, que la justice suive son cours. C'est simple, hein? Que justice soit faite. À égalité pour tout le monde, que vous soyez puissant ou misérable, showbiz ou pas showbiz, etc. Que quand on ne prend pas la voiture, effectivement, sous stupéfiant. On ne fait pas ça. Et puis, de toute façon, on n'a pas, nous, à juger des sanctions. On verra après ce qui se passe. Mais écoutez, l'impunité, les différés, les alibis, les excuses, les explications psychiques, psychologiques, très bien, très bien. En attendant, il y a une famille entière déchiquetée, décimée. Alors, encore une fois, une chose très simple, que justice soit faite et que nous cessions d'être refaits. Voilà, pas plus. Une nouvelle abomination dans une classe, une professeure d'espagnol est assassinée avec un couteau par un élève. On ne pensait pas pouvoir assister, entendre une chose pareille. Alors bien sûr, on pense à sa famille, on pense aux enfants, aux élèves de seconde, je crois, de cette classe. Et loin de moi, l'idée de vouloir jeter de l'huile sur le feu à un moment très grave. C'est le temps du recueillement. Mais attention, j'en ai assez d'entendre dans les médias les responsables de cette vague de violence qui submerge la France à chaque tragédie. Souvenez-vous de la petite Lola, tout récemment, cette femme coupée en morceaux au but de Chaumont. À chaque drame, on entend toujours la même chose. Il faut le temps du deuil. On n'a pas le droit de parler des causes, des problèmes. Et puis après, l'actualité, une nouvelle actualité tragique en chasse une autre, et le concours de lâcheté générale continue. D'ailleurs, vous le verrez, on va nous expliquer qu'il avait des problèmes psychiatriques, ce jeune garçon. Que faisait-il alors dans cette classe? On va nous expliquer qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame pour ceci, pour cela. Qu'importe, moi j'ose dire que le meilleur hommage que l'on puisse rendre à cette femme assassinée en pleine classe, le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est d'arrêter la lâcheté générale qui fait que notre pays est submergé par la violence. Les chiffres de 2022 des homicides sont particulièrement inquiétants puisqu'on est à presque 3 par jour, avec 948 homicides en 2022. Maintenant, on va tenter d'en savoir plus, mais je crois que rien ne changera dans notre pays tant qu'on n'aura pas un vrai débat sur la violence, ses multiples causes bien sûr, et sur la nécessité absolue de rétablir une chaîne pénale, une vraie chaîne pénale. La nécessité absolue aussi d'arrêter la culture générale de l'excuse, au point d'ailleurs que j'étais stupéfait que le ministre de l'Éducation nationale parle de décès, mais pas d'assassinat de cette professeure. C'est-à-dire que le choix des mots du ministre dénote déjà cette volonté d'étouffer l'affaire. Et ça, je ne l'accepte plus. Et les Français ne l'acceptent plus. Alors, pensez, recueillement, mais arrêtez la lâcheté. Et maintenant, agissons. Agissons avant que les crimes succèdent aux crimes. Et rien ne m'empêchera de parler. Et surtout pas les leçons de ceux qui, sur les plateaux de télévision, étouffent toutes les affaires depuis tant d'années et sont responsables
de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous êtes journaliste chez Causeur, au magazine Causeur, et là on va parler un tout petit peu de Voltaire, et Voltaire, non pas lui, hein, on aurait aimé l'interviewer mais il n'est plus là, de sa statue dans Paris. Alors, vous rappelez que le philosophe trônait depuis 60 ans dans un jardin à Paris à deux pas de l'Académie française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, vous vous en souvenez peut-être André, aux alentours de 2019-2020, il y a eu ce grand mouvement mondial qu'on a appelé les Black Lives Matter, qui a lancé la mode du déboulonnage de statues, de la cancel culture, de l'effacement de toute notre histoire occidentale. Et Voltaire n'y a pas échappé, et sa statue, qui est donc dans ce petit square Honoré Champion, derrière l'Institut de France, qui héberge entre autres l'Académie française, a été régulièrement aspergée de peinture. L'hôtel de ville... Depuis le moment des manifs Black Lives Matter, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, c'était donc il y a 3 ans maintenant. D'accord. Ces manifs se sont arrêtés depuis un petit bout de temps et l'hôtel de ville refuse toujours pourtant de replacer Voltaire sur son socle, et Paris, la capitale française, n'a toujours pas de statue de Voltaire dans l'espace public depuis. Incroyable. Mais pour quelle raison? Alors, quelle raison avance la ville de Paris pour dire que... L'hôtel de ville avance un argument qu'on peut dans un premier temps entendre, qui est de dire que cette statue en pierre est fragilisée par ces attaques de peinture et autres à répétition, et qu'on ne peut pas désormais la mettre dans l'espace public comme ça. Et l'hôtel de ville de Paris a proposé de la mettre dans une niche, derrière une grille, dans la cour de la fac de médecine. Ne me demandez pas, André, le rapport entre Voltaire et la fac de médecine. Une nouvelle inhumation. Oui, après le sujet qu'on vient de... Mais ouais. C'est assez cocasse. Ouais. Et... J'ai été contacté en tant que rédacteur chef culture au magazine Causeur. On reçoit de temps en temps, vous en avez une idée vous-même, des témoignages, des choses, des gens qui vous écrivent spontanément. Bien sûr, bien sûr. Et il y a quelques mois, un simple citoyen, si je puis dire, René Monnier, a écrit une lettre à la rédaction disant qu'il, comme beaucoup de Parisiens, il regrettait que cette statue ne revienne pas sur son socle. Il m'a proposé, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait finalement une idée à suggérer à l'hôtel de ville qui argue que la statue est trop fragile. Il se trouve que cette statue, à l'origine, était en bronze. Et donc, il a lancé une pétition intitulée « Le retour de Voltaire », qui demande, ça va être un budget participatif d'ici quelques semaines, voire quelques mois, pour demander à la ville de fondre, ce qu'on appelle fondre, c'est-à-dire refaire la statue en bronze, vu qu'on a la statue en pierre. Bien sûr. Et cela commence à chatouiller un peu nos amis à la mairie de Paris, parce qu'ils sont un peu coincés désormais. Et désormais, que se passe-t-il? On nous dit que le socle appartient à la mairie, mais que la statue appartient à l'État, ou l'inverse. Enfin, il commence à y avoir toute une histoire assez rocambolesque et administrative. Nous sommes, je dis nous, parce que je soutiens à titre personnel cette pétition, cher Jonathan Sixou, où est-ce qu'on peut la signer pour les auditeurs de Sud Radio qui sont intéressés à ce que Voltaire revienne, en tout cas, en bronze, en tout cas, que Voltaire soit là, quand même? Alors, cette pétition est très simple à trouver sur Internet. Vous tapez leretourdevoltaire.com, tout attaché, hein, leretourdevoltaire.com, et là vous allez être dirigé, vous allez avoir un petit historique qui va vous rappeler les faits, et ensuite vous pourrez signer. Cette pétition est faite que vous pouvez la signer soit nommément, soit anonymement, et quand vous la signez nommément, et si vous voulez laisser également vos qualités, on découvre des choses magnifiques. Depuis quelques semaines que cette pétition est en ligne, eh bien nous avons, faut que j'arrête de dire nous, je ne suis qu'un soutien de la cause, mais vous avez, et vous pouvez constater quoi? Eh bien que vous avez des chauffeurs de bus, des académiciens, des industriels, des maçons, des éditeurs, des journalistes aussi, mais vous avez un faisceau extraordinaire de Français qui se retrouvent dans la figure de Voltaire, des personnes très médiatisées telles que Michel Onfray ou Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter ont aussi signé déjà cette pétition. Eh bien écoutez, c'est très très bien. Le retour de Voltaire.com, vous avez raison. En tout cas, voilà, pour ceux qui trouvent que effectivement Voltaire manque à Paris, eh bien, vous signez la pétition. Effectivement, que Voltaire ne soit pas là, c'est inadmissible. Je le dis et je vais signer la pétition moi-même. Merci André. Euh,
Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous.